le bébé de mon fort communauté, c'est son premier bébé. Aujourd'hui, c'est plus un bébé, c'est un phare. C'est à partir de ça que l'histoire sportive de mon fort communauté s'est construite. C'est à partir de cela que tout un tas d'animations peuvent se développer sur ce territoire. Une très belle journée pour mon fort communauté, puisqu'on inaugure ce deuxième bassin et puis on a l'avenue aussi de très grands sportifs. Je pense au kayakisme et je pense aussi à Fabien Gillot. Ça répondait à l'attente, notamment au niveau du grand public, qui pouvait avoir à nouveau des créneaux qui puissent utiliser dans le bassin et puis des bassins d'activité qui servaient justement à toutes les activités qui sont un volet marchand sur notre territoire. On vient de vivre un temps fort parce que toute la structuration des piscines sur le département, c'est vraiment quand même un enjeu important. On a vu à la fois pour la pratique sportive, mais également, on ne l'oublie pas, pour au niveau des scolaires, qui sont quand même un public extrêmement important. Chaque gamin de ce territoire a l'opportunité de pouvoir apprendre à nager ici, localement. Et ça, c'est une chance, c'est une égalité des chances formidable pour tous ces enfants. Cet investissement a permis de conforter l'ensemble des services. Et c'est grâce à ça, je pense, que la réputation de la ville de Montfort et de Montfort Communauté s'est faite en partie. J'espère longue vie à la piscine Océlia, puis longue vie aussi à notre prestataire, notre partenaire aujourd'hui, et j'espère encore demain.